Bienvenue à tous et à toutes à ce journal édition 62. Des individus circulant à moto ont attaqué cet après-midi des marchands au carrefour de l'aéroport, faisant 6 blessés par balle. Selon des témoins sur place, les malfrats ont cambriolé des cambistes et emporté des téléphones portables. Les informations recueillies sur place font état de 9 individus à bord de plusieurs motos et auraient pris la direction de Nazon après avoir commis leur forfait. Voler passé là, nous gagnons pas presque 30 minutes là, n'a pas subi en dedans là. La police là en bas pour en là, y'a pas venu pour nous secouer même. Tout traité côté au rété en là, en bas pour en bas, tout l'a caché. Et nous même qui subit tout bas là, n'importe 6 nègres pour en bas la terre là, n'a nous là. Jusqu'à nous pour qu'on n'a qui est à nègre là, parce qu'il y a peine couru l'hôpital ensemble avec là, n'a pas qu'on n'a qui est à oui. Et qui est-ce qui tire à même? Vous dites que vous tirez. Sur nous là, il y a toujours une fête. Il y a toujours pas être là. Mais voler, tirer sur nous là. Voler, va la police. Voler. À qui le ça passe là? À peine ça là, à peine 4 combien, 3 heures combien là, bah on passe là. On se dit que la mairie, la police ou etc. Non, yo, mairie a tes concerts un débris quoi, écrasé bricoa, c'est la police qui mettait qu'on y a cap courir des malheureux avec des pour faire son au chita sur toi là, et puis ouais la police a venu pas cap courir tant que c'est volé, imaginez petit business ou à faire là. Comment faire courir des nous comme businessman et puis y a pas de possibilité pour courir des volets qui viennent faire nous habiller à là. Il y a plusieurs nègres qui prennent cartouche à Zumba qui a identifié des noms. Oui, même les gars qui ont un téléphone là et même les gens qui ont un cap changé là, américain là, c'est même les gens qui ont un là. Ta présence en dedisel là nèg yo courir entre la sauver yo faire ou pas gétan fin sur yo actuellement là nèg yo à peine à l'hôpital là nous pas connait si yo bon avec si yo pas bon 5 à 6 moun non il pas bandi non moun ki prend balle mais si c'est pour voler ne pas contrôler parce que yo en pile moto en pile voler yo pas ka gouler yo fait en haut ici. Chaque lèvre vient là, depuis qu'on vient ici, en haut ici, En haut ici. Yo sautant lèvre vient là, pas qu'une moto par l'autre dollar, il y a la vie de faction. Non, il y a une zam qui ça vous fait, il y a zam dans mais obligé de courir. Et vous mettez la machine là qui est posée, bandit a tiré sur lui, dollar, et vous faites des machines là. Police ou des machines là, des chauffeurs camionnés. 3000 gouttes de médias. Et c'est ça, simplement. Mais je n'y a pas couru de nous. Bandi vient tirer là, tout le monde. Élève l'école pour un bal. Moun qui a passé pour un bal. Pied est cassé. Yo là, on dit que c'était pour yon pour yon caché. Moi-même, après vécu, moi-même, pas de police, c'est bon, blanc dans mon dame. Oui, son Dieu dit là, les policiers pour arrêter nous. Elle paye 600 dollars. Nous avons des gens. Nous avons des petites écoles, jusqu'à nous avons un petit cas, je ne vais pas cacher. Mais si arrêtez, je vais demander 600 dollars pour me payer. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un papa avec maman. Papa est mort. Quand je paye 600 dollars, ça ne va pas payer 600 dollars. Deux grands ne vont pas payer 600 dollars. C'est pour. Avant, j'ai dit arrêtez-nous. C'est pour j'ai dit chachons côté mettre. Nous sommes capables de comprendre Jean Bagayoye la situation. Nous avons dit que nous avons dit que nous comprenons. Ce n'est pas beau pour nous tout. Parce que deux fois, la machine fait des bagages qui ne sont pas beaux pour nous. Mais. Nèg yo pas créé conditions pour nous même en tant que malheureux pour nous vivre. Des fois là yo prend bagaille yo façon yo prend là yo pas prendre d'une façon que nous même pour nous jeune moyen pour nous vivre. D'ailleurs ce bolarien pour nous vivre. Vous comprenez? Ça fait nous obligé vivre bolarien parce que pas de conditions. Si tu as du travail, tu as l'autre bagaille pour voyer quoi ou tu es vivre, pas venir bolarien. Moi même des actes qui passent, maladien et deux actes qui passent, c'est simplement nous dit que au lieu que yo lagé chef yo lagé encore nous même en tant que machin nous pas ne pas ça nous mériter plutôt mettre sécurité plutôt genre de bandi ça yo besoin chef nous même nous pas besoin chef. Un plan de sécurité électorale est déjà élaboré par la Direction générale de la police nationale d'Haïti en étroite collaboration avec le Conseil électoral provisoire en prélude à la tenue des joutes électorales du 9 octobre prochain. Les précisions autour de l'implémentation de ce plan durant toute la journée électorale ont été apportées ce mardi 13 septembre 2016 par l'inspecteur général Jean Saint-Fleur, responsable de la commission de la PNH chargée de la planification stratégique de la sécurité des élections sur l'ensemble des 10 départements du pays. Suivons Jean Saint-Fleur. Pays à tout entier qui gagne volonté pour nous renouveler l'institution, pour nous capables élire un nouveau président, pour nous capables finir avec l'élection qui commençait depuis 2015,
16 sénateurs que nous gagnons pour nous élire et des députés. Il y a un point qui est très important, c'est CEP a organisé l'élection et la police qui travaille pour CEP pour sécuriser l'élection. Parce que sans sécurité, nous sommes capables de dire que CEPA prend le travail en vain ou bien c'est laver main sur la tête. Eh bien, la police, ça, c'est une institution hiérarchisée, une institution qui a une responsabilité de sécurité sur tout le plan national. Et le directeur général là prend un engagement formel, lui former trois comités dans l'institution là. Et il y a un comité, c'est le comité de planification stratégique de la sécurité des élections que moi-même, inspecteur général Jean-Saint Fleur, m'a dirigé. Et en dans l'équipe maintenant, nous responsables de la sécurité sur les 10 départements. Et sécurité élection pour le fait en dans département yo, et nous impliquer directement les 10 directeurs départementaux. Là nous sortons dans 10 directeurs départementaux, nous descendons dans les responsables de communes. Donc les commissaires ou bien les inspecteurs qui sont responsables de communes. Et là nous sortons dans commune yo, nous prenons descendre dans ça que nous relais nous-mêmes et centre de vote côté que c'est détermination ça que CEPA fait de manière à ce qu'il soit rassuré que nos 6 millions d'électeurs eh bien eux-mêmes il y a bien capacité il y a bien possibilité avec des listes qui déjà établies de manière à ce que tout le monde en dans pays capable connaît dans qui centre de vote que il va voter et dans qui bureau de vote que il va voter. Eh bien, nous-mêmes, mission par nous, c'est rassurer nos 6 millions d'électeurs que la police-là n'a pas joué. Que la police-là gagne une responsabilité et responsabilité par là, la prenne à cœur. Et c'est ça qui fait que le directeur général-là, Michel Angédéon, demande à ce que tous les policiers qui seront déployés, ils prennent engagés totalement, parfaitement, avec passivité zéro. Donc cela veut dire que nous pouvons joindre des policiers qui vient et qui travaille comme si rien n'était. Ou bien, ça ne dit rien. Non. Il gagne l'État, paye pour le travail. Eh bien, jour ça, il gagne la responsabilité par là pour le travail. Le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire a présenté l'état d'avancement des préparatifs pour la tenue de ces joutes. Uder Antoine a annoncé la disponibilité du rapport relatif aux dettes laissées par l'ancien CEP lors de la réalisation des élections de 2015. L'actuel Conseil électoral provisoire va respecter les engagements pris envers ses employés et va procéder sous peu au paiement intégral des arriérés. Question arriéré de salaire qui était gagné sous activité 2015 yo, pour superviseur, bureau de vote, avocat, agent de sécurité électorale, capable de dire rapport évaluation ça disponible. Son rapport que nous gagnons dans menou au niveau de CEPA, qu'on a nous va passer dans phase pour nous planifier paiement yo. J'en note prend engagement, ça veut dire arriéré ça yo, nous va commencer payer yo, j'en note dit d'ici début semaine prochaine non, et nous attendons déjà avec partenaires qui travaillent avec nous et surtout le ministère de l'économie pour atteindre l'objectif ça, j'en ai engagé nous auprès de superviseurs. Le Forum des citoyens haïtiens Force Haïti annonce qu'il supporte la candidature de Jean-Charles Moïse pour son programme ambitieux, différent de celui des autres candidats selon Réjo Fontaine et Oni Berger. La recapitalisation de la classe moyenne prônée par le candidat de Petite-Dessalines constitue l'un des moyens pouvant aider à l'avancement du pays. C'est ce qu'a décidé le forum qui vient d'endosser la candidature de Jean-Charles Moïse. Suivons tour à tour Réjo Fontaine et Oni Berger. Dans l'idée pour arriver à lever des défis qui campaient devant la nation, Force Haïti après Chita parlé à tout membre lié, à sympathisant lié, mandé tout haïtien et haïtienne qui indigné, qui senti yo pas à l'aise dans situation à vivre là, qui bouquet prend déception en bas bouche l'autre nation, corré président Moïse Jean-Charles pour 2017 et n'a tout profité mandé yo après yo fin voter pour yo rete j'ai calé si veut vote yo
jusqu'au bout. Le programme est assemblé, tant que 50 corps à Dégoudin. Mais Moïse Jean-Charles, c'est le seul monde dans le programme là qui cible. Il y a un bagage qui nous pensait qu'il y a des pays à avancer. Moïse Jean-Charles cible normalement classe moyenne et cible masse défavorisée. Mais au-delà de ça, Moïse Jean-Charles voulait faire ça. Il y a une récapitalisation classe moyenne. Pendant la PC, éviter PIA, ça n'est pas capable de un éclatement social. Dans tout le programme, nous avons l'économie, nous avons tout le bagage, mais pas de personne qui aussi bien le programme social là, même avec Moïse Jean-Charles. Je dis, Moïse Jean-Charles offre une université, l'offre classe moyenne pour le récapitaliser. Parce que je dis, on a regardé tout le monde dans le niveau classe moyenne là, plein, on sait le bagage, les marchands sont pleins, ils ne peuvent pas vendre. Pas un moyen, l'argent pas circulé. Moïse Jean-Charles vient avec un programme lui-même, là-dedans, lui, ouais. Mouvement ça. L'IWE, récapitalisation classe moyenne. Nous donnons nous-mêmes. Mettre l'argent dans la poche, nous mettre l'argent dans la poche, monde qui par contre vient déjà. À quelques semaines des prochaines élections, la fièvre électorale ne se fait pas encore sentir dans les rues. Dans l'intervalle, des alliances et endossements se multiplient. Ce mardi, c'est au tour de la coalition des employés révoqués de l'administration publique d'annoncer son plein soutien au docteur Maryse Narcisse, candidate à la présidence du parti Formule Lavalas. De l'avis du secrétaire général de la coalition des employés révoqués de l'administration publique, Wilner Jean-Robert, la coordonnatrice nationale du parti de l'ex-président Aristide, est la seule capable de tirer le pays du bourbier dans lequel il se trouve. L'activiste politique invite les électeurs à faire choix du docteur Narcisse pour succéder à Jocelyn Privert. Dirigeant employé révoqué a demandé dans 10 départements, on nous fait un seul derrière candidat docteur Maryse Narcisse. Dans l'élection 9 octobre cap organisé, 7 février, n'a cassé rendez-vous en dans palais national pour docteur Maryse Narcisse a prêté serment ensemble avec employé révoqué en dans palais national. C'est pas l'argent. C'est dignité. Yon seul nous faible. Ensemble nous fort. Ensemble, nous c'est la balance. N'a demandé. Demain si bon Dieu voulait, tout employé révoqué, nous casser rendez-vous devant Palais National, dans yon sitting n'a fait pour nous dire président privé, pas oublier employé révoqué yo, les nous t'a discuté dans cuisine non, ou t'es dit ou pral bay on ti apaisement pour nous capables de soulager. Un sit-in a été organisé ce mardi dans les parages du Palais National par les victimes du choléra. Ils étaient plusieurs centaines en provenance de plusieurs départements dans le pays dans le but de demander à l'État haïtien de se positionner en faveur des victimes dans le cadre de ce dossier du choléra en Haïti. Ces victimes et parents de victimes espèrent que le dossier sera inscrit dans le programme de la délégation haïtienne. Mais nous-mêmes nous venons là pour nous dire avec responsable les sous-tribunes Nations Unies pour demander l'ONU dédommager les victimes choléra. Nous venons organiser ce sit-in, c'est pour nous dire clair. Un message clair pour nous dire bataille pour victimes choléra, jeune justice et réparation. Donc, nous ne pouvons pas camper dans la route. Nous, oui, mais c'est privé, pas j'ai une proposition publique. Nous venons demander. Et s'il n'est pas d'accord pour une proposition publique, ça montre donc les complices, ça montre donc les ses amis choléra, ça montre lui-même tout, les participer dans le choléra dans le pays. Puis c'est lui-même qui a joué le président. Donc, constitution va le droit. Les messieurs, bonnes qui nous font déclaration pour aller dans le sens contraire. Bonnes qui nous demandent renouvellement. Je dis à. Mais c'est pour faire un carrefour historique pour lui dire non à renouvellement. Je dis à lui doit prendre position beaucoup de victimes, beaucoup d'organisations, pour lui bataille contre l'occupation, pour le renouvellement de la ministre et pour le servir de présence par moyen de l'État haïtien dans la tribune des Nations Unies pour lui demander justice à réparation et pour lui exiger les Nations Unies dédommager toutes les victimes. Le nom est là, c'est exactement dans la dernière déclaration 18 août, Nations Unies. Et c'est ça que nous avons cherché pour nous joindre. Pour nous joindre, les Nations Unies prennent responsabilité, elles disent c'est lui qui est responsable. Et je vous dis, c'est ça, nous joindre. Les Nations Unies disent c'est lui-même qui prend, qui porte le choléra, c'est lui qui vient avec elle. Donc, nous sommes en bonne position pour nous avancer puis devant. Nous sommes au niveau tribunal, dans le coup d'appel de New York, et nous avons dit, le coup d'appel là, rejeté de New York, et qu'il y a après tant de décisions, et les Nations Unies, parce qu'ils disent dans deux mois, il n'y a pas de réponse. Alors, je suis avec nous, que ce soit ici, que ce soit New York. Et je commence à parler avec avocat victime, c'est très bien.
eh bien, nous avons gardé pour nous une position, une décision qui est vraiment juste. Et ces positions, ça permet de nous qu'on ait qui direction à prendre après 2 mois. La FADIMAC lance du 15 au 19 septembre 2016 une campagne de dépistage des maladies cardiovasculaires qui tue à petit feu. La directrice de la FADIMAC, Nancy Charles Larco, présente l'agenda de cette campagne tout en prodiguant des conseils à tout chacun sur la façon de faire la prévention contre les maladies cardiovasculaires. Jodi an, message que nous t'aimer fait passer parce que nous pas faire un pile bruit autour de maladies cardiovasculaires yo. 28 septembre qui pourra venir là, c'est pour la journée mondiale du cœur et des maladies cardiovasculaires et FADIMAC profiter de opportunité ça pour que les capables faire un peu plus de bruit et aussi inviter population haïtienne pour venir participer à différentes activités que le pourra gagner dans le domaine ça. Alors avant que nous rentrions dans l'activité, nous t'aimer parler nous de qui ça en maladie cardiovasculaire là. Maladie cardiovasculaire, un autant des cardio c'est pour cœur. Et vasculaire, c'est pour vaisseau, donc pour tout tuyau qui saute dans le cœur, qui aurait les artères, donc qui peut être sans frais, by rescora. Et l'autre tuyau qui aurait les veines, qui peut être sans, qui salent, by cœur avec poumon, pour y régénérer sang, et le ça que le cycle est capable de faire. Donc c'est ainsi que nous parlons de maladies vasculaires, nous parlons de crise cardiaque, côté que artère qui n'en cœur a vin moyen avec maladie yo. Deuxièmement, nous parler de stroke parce que c'est artère qui pote sang dans cerveau a. Donc soit que artère la vin bouché, li fait ça rele un stroke ça rele thrombotique. Bon, c'est un gros nom mais quand même l'homme on rend vivant après stroke. Non, souvent c'est un stroke qui fait avec un petit caillot. Mais ça qu'on arrive tout que artère la qu'on éclaté et le ça mon qu'on mourir de stroke là. On a parlé de l'autre artère toujours, c'est artère qui descend dans le ventre moun nan, donc les artères aorte côté que li kon éclaté avec ça relé un anévrisme de l'aorte et aussi artère qui peut descendre dans pied yo et souvent moun qui diabétique qui hypertendu qui souffre cholestérol qui fume en pile moun sa yo gen artère sa yo qui bouché donc li important pour que assez tôt yo fait des investigations pour yo connaître si yo pa gen problème là-dedans. Quand on a parlé de veine, donc et tuyau qui peut descendre tout n'est pas cœur. Souvent veine ça yo, yo kon gen des gros caillots sang qui chita là-dedans yo et le caillot ça bouger, et ben là le boucher cœur et c'est ça les embolie pulmonaire et moun nan mouri subit. Puis fort maladie que me fait citer yo, puis fort nan yo bay des gros complications. Et c'est un autre bagage qui fait attirer attention nous, c'est que à travers le monde, maladie cardiovasculaire c'est première cause de mortalité dans le monde entier. Il y a 17 500 000 personnes en 2014 qui mourent de maladie cardiovasculaire et 80% des personnes ça c'est plus alors 4 personnes sur 5 personnes qui mourent de maladie cardiovasculaire, ils mourent soit d'une crise cardiaque ou bien de ça nous les stroke là. Et là nous voyons que par exemple dans le pays nous souvent moun yo kon mouri subit nous attribuons la bas maléfique mais souvent c'est une maladie cardiovasculaire que moun sa présenté soit ou bien une hypertension artérielle ou bien que moun nan font crise cardiaque ou bien que moun nan font stroke et souvent tout nous kon wè dans la rue moun ki gen un bon encore yo ki pok que qui gen des difficultés parfois pour yo parler et ben ça c'est aussi une maladie cardiovasculaire. Taïfé a une population approximative de 12 000 habitants, troisième section communale de Carrefour. Elle est complètement privée des services sociaux de base, pas de centre de santé, pas d'eau potable. Les habitants font leurs besoins physiologiques à même le sol. La route principale qui mène à cette localité est traversée par une rivière et quand elle est en crue, la population est paniquée et ne sait où donner la tête. Suivez ce reportage de Junior Pascal sur des images de Figaro Matilo. Apparence 3e section communale Taïfé ak Laval qui sous commune Kafou pas semblé côté moun ap vive. Yon section communale qui gen environ 12 000 habitants la gen debra balancé. Pa gen yon l'école publique pou ti moun nan section communale sa jwenn yon timoso pen l'instruction. Pa même pour yon centre santé pour habitants ou ta jwenn timoso la soignay. Infrastructure yon pa bon même. Yon route en terre bâti chargé ak moun ki traverse yon rivière kap descend ki bay accès pour soti Kafou pour entrer dans 3e section an. C'est sous promesse campagne député Jacques Beauville, chemin qui sorti tarifier mené Laval à fête selon coordonnateur avec là Jean-Aristide Aristide. C'est la première fois que nous joignons député
d'après nous-mêmes nous sentis qui connaît Kafou. Parce que nous-mêmes, nous existons depuis bien des temps comme commune. Alors ça ne va pas rappeler, mais je vois un député qui a un tel rêve de paysans. Non, nous ne pouvons pas jouer ça. Mais, Kounia, par rapport avec le travail ça député a fait pour nous, quand il te promet nous ça, et nous, la promesse a commencé à réaliser. Habitants dans la section Taïfé avec Laval, pas de cacher contentement pour le travail qu'a fait pour aménager chemin qui pral bay accès à machine et motocyclette pour entrer dans Taïfé avec Laval, qui pral soulager femme enceinte, dans le moment où elle n'a pas couché en cas danger. Machine avec moto a bretan mené yo nan yon centre santé nan commune Kafou. Oui, ok. Ok, ouais, route fait. Oui, qui est-ce qui fait route ça avant? Qui est-ce? Qui autorité? Bon Dieu, fait le devant, la fille d'autorité derrière, bon Dieu. Ou content travail là? Oui, je content travail. Qui l'a joué même? L'a joué. Ah, mais Baptiste, c'est moi, je ne vais pas garder Baptiste. Pourquoi vous avez Baptiste là? Non, je vais grâce à Dieu. Ah, ok. Je vais contre Maria et tout Baptiste là. Ok. Oui. Ok. Oui. Je suis content, hein? Ok. Je suis content, ouais, non? Ok. D'accord. Oui. Comment satisfait du travail ça fait? Bon, très normal. Très normal. Depuis combien d'années machine dans zone? Les machines sont aussi depuis sous Balde. Qui est-ce qui était Balde? Balde a son ancien bataille de tabou mais pour nous à tout matcher Hippolyte. Pour nous-mêmes, c'est le seul monde qui vient faire ça pour nous. C'est M. Jacques Beauville, député. Ok. Et nous très contents. Ok. Parce qu'on fait pour moi. Et nous t'arrêtons pour travailler à tout marcher comme ça. Ok, merci. Merci beaucoup. Ça fait combien de temps que la machine n'est pas déjà mouillée là? Bon, ça fait un pile de temps que la machine monte ici depuis en 80, depuis la route la ville gâte nous paraît sans encore. Depuis un pile, en qui année? 80. Député circonscription Kafoua Jacques Beauville, qui est vice-président commission travaux publics, transport et communication dans la chambre basse, fait connaître cette promesse campagne qui t'amène dans la commune Taïfé, spécialement dans la section qui réquille yo côté moun sa yo traité en parent pauvre. Côté li fait connaître, l'État n'est pas présent même dans la section yo. Pendant qu'il fait quoi travail là, continuer. Dans le passé, le monde fin voté en député Kafou, il parle encore. Moi-même, moi, dans la section Laval, je viens faire une inspection de route là, fait pour les paysans. Ils méritent plus que ça. Oui, ils méritent plus que ça parce que les gens sont à combien de kilomètres pour la voter. Moi-même, je suppose retourner pour voir Bali en termes de service. Et c'est ça qu'on a fait là même. Et c'est ça qu'on a fait et c'est ce qu'on a continué à faire. On a dit moun beli, moun malanga, on a prouvé sur eux. Nous commençons avec le commencement. Jusqu'à ce que nous arrivions côté de nous arriver. Moun sa a énuméré plusieurs problèmes, tant que problème l'école, problème l'hôpital. Eh bien mon frère, tout sec commence à partir d'un point. Lorsque mon ton sec, il faut sec la fête à partir d'un point pour commencer. Et comme disait l'autre, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Nous commençons avec route là, pour nous capables de découvrir la potentialité de chaque section communale qu'il faut gagner. Il faut nous pour l'histoire. Son commune qui gagne 13 sections communales, 10 sections sont en monde. 10 sections sont très reculées par rapport à la partie urbaine, la ville là. L'État n'est pas présent du tout par rapport à la route. Et c'est ça qui fait nous commencer avec route là. Nous commençons à route là avec GFO. Les moyens du bord. Nous utilisons pour nous au moins pour nous respecter pour mes électorales. La commune Kafou a 13 sections communales. 10 trouvées dans le monde, c'est seulement 3 qui sont dans cette ville là. 10 sections Sayo, c'est quelque part mieux qui gagnent l'école publique et qui ont centre santé. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.